5 secondes, vous le voyez, il va donc quitter la piste et le feu qui est sur la gauche de votre écran va s'éteindre. C'est parti pour 6 tours avec un très très bon départ d'Emmanuel Moinel qui tout de suite se met à la corde de cette grande parabolique. Et derrière, j'ai l'impression que c'est Jules Tréluyer qui a grillé la politesse à Cindy Gudet. Oui, c'est ça, Jules Tréluyer 2, Cindy Gudet qui est 3. Et j'ai l'impression derrière que c'est déjà Théophile Nahel qui a réussi à prendre la 4e place du début de cette finale. 6 tours, je vous le rappelle, c'est affiché sur votre écran, et Emmanuel Moinel qui déjà a creusé l'écart traditionnel, puisque vous le savez, vous nous suivez maintenant depuis longtemps, il y a en général une seconde et demie d'avance pour celui qui est en pole position des finales. Alors vous voyez derrière cet embrun de neige qui n'arrête pas de voler autour des voitures, qui bien sûr gêne la visibilité des pilotes qui sont derrière, alors que là on suit Jules Tréluyer qui lui est deuxième, et premier passage d'Emmanuel Moinel sur la ligne de chrono, premier tour 49-9, et oui, 1 seconde 6 d'avance sur Jules Tréluyer, 2-6 sur Cindy Gudet, 3 secondes 6 sur Clémentine Loss, 5 secondes sur Laurent Nahel. Et toujours, alors que Philippe Bansard est un petit peu plus loin, et toujours Emmanuel Moinel, vous voyez que la Zoé du team DA Racing, bien installée en tête, pas menacée pour l'instant par Jules Tréluyer qui a pris un très très bon départ. Il faut dire qu'il était dans la roue d'Emmanuel Moinel, donc du côté où la piste motrice le mieux, ce qui lui a permis sans doute de s'imposer sur Cindy Gudet au départ de cette finale. Mais attention, Cindy Gudet n'a peut-être pas dit son dernier mot, parce que c'est une battante Cindy, nous allons passer à mi-course bientôt, et elle est dans les roues pratiquement de la voiture de Jules Tréluyer. Vous les voyez à l'image ici, regardez, elle est revenue dans le bouclier arrière pratiquement de la voiture Andros de Jules Tréluyer. Le record du tour, pour l'instant, c'est un point supplémentaire et il est dans la poche d'Emmanuel Moinel. Alors est-ce qu'il va... Oups, c'est un peu là, Jules Tréluyer qui tape à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il bloque, il a bloqué Cindy Gudet, ce qui permet à Clémentine Loss de passer. Et ben voilà, les deux voitures bloquées, donc Jules Tréluyer et Cindy Gudet bloquées à l'extérieur de la parabolique, ce qui permet à Clémentine Loss de gagner de place et se retrouver normalement deuxième derrière l'homme. Ben voilà, ils sont bien plantés là. Jules Tréluyer fort la dépanneuse, vous voyez les quatre roues qui patinent. Cindy Gudet posée également sur le fond plat de la voiture. Donc ça ne repartira pas pour ces deux pilotes, il va y avoir le drapeau jaune. Donc interdiction de doublé, vous connaissez le règlement. Et Emmanuel Moinel, débarrassé de la pression de ses deux petits camarades derrière, qui va, drapeau jaune. Et puis en plus, ils sont à l'extérieur de la parabolique, donc c'est un endroit un petit peu compliqué. Là, il arrive, Emmanuel Moinel, il va s'apercevoir. Bon, c'est compliqué au premier passage. Après, on sait où sont les voitures. On arrive à mieux. Alors, Clémentine Loss qui rase là le mur, voilà, qui va se mettre tout à l'intérieur pour éviter ses petits camarades. Voilà, tout le monde maintenant a vu les voitures, donc il n'y a plus, de risque pour personne. Philippe Bansard est passé également. Voilà, tout le monde est passé au moins une fois. Donc, ils savent maintenant où sont arrêtées les voitures qui sont bloquées par la neige. Et devant, Emmanuel Moinel se balade. 46-9 pardon, dans le deuxième tour. Toujours le record du tour dans sa poche. Il est bien parti, Emmanuel Moinel, pour aller remporter cette finale de classement pour la 7e place. Allez, nouveau passage... sur la ligne de chrono, voilà, toujours le drapeau rouge, il sera maintenant, le drapeau jaune, pardon, il sera toujours jusqu'à l'arrivée de cette finale. Mais bon, il y a de l'écart, hein, donc les tentatives de dépassement dans cette finale, je ne pense pas, autant on en a eu hier, dans celle-ci, on n'en aura pas trop, je crois. Et Emmanuel Moinel, toujours 46-9. Toujours bien installé en tête, record du tour, enfin il a tout. Derrière, c'est Clémentine Loss qui est un petit peu loin, 6 secondes, ensuite on retrouve... Laurent Nahel à 8 secondes et Philippe Bansard un petit peu plus loin encore. Il ne reste plus donc que 4 voitures dans cette finale, puisque Jules Tréluyer et Cindy Gudet, vous les avez vus, se sont mis à la faute dans la parabolique et ne vont pas terminer cette finale. Alors, ce n'est pas beaucoup de points perdus, hein, parce que dans les finales, il y a beaucoup moins de points distribués que dans les manches qualificatives. Il n'y a qu'un point d'écart entre chaque place dans le cumul des points, donc c'est peut-être même, ça va peut-être même leur permettre de garder leur place. Allez, dernier tour pour l'homme de tête, Emmanuel Moinel, voiture qu'il partage avec Olivier Pernaud, qu'on retrouvera tout à l'heure dans la catégorie Elite Pro. Puis maintenant, elle avance pratiquement 8 secondes. Et regardez, on a derrière Philippe Bansard qui est revenu se mettre... Non, c'est pas Philippe Bansard, c'est Laurent Nahel qui est venu se remettre derrière Clémentine Loss. Il va falloir fermer les portes et les fenêtres là, dans la dernière partie de cette finale pour Clémentine, parce que j'ai l'impression qu'il se fait de plus en plus pressant derrière la U208 de Clémentine. Alors que voilà, drapeau à damier et victoire d'Emmanuel Moinel.
Deuxième place, oui, Clémentine va réussir à garder sa deuxième place jusqu'à l'arrivée. Troisième place pour Laurent Naël. Philippe Bansard, le voilà, Philippe Bansard, il est dans la descente, il veut faire son gros freinage dans la dernière épingle avant de passer sur la ligne d'arrivée. Et on va avoir besoin de la dépanneuse pour aller chercher Jules Tréluyer et Cindy Gunet, qui sont bloqués là-bas dans la parabolique. Je crois qu'ils sont toujours bien garés tous les deux.